All power to the people. 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 Sur le parvis de la basilique, avec nos bruits, nos odeurs, on représente la Belgique, un tour de la dignité, avec nos amis, nos frères et sœurs du mouvement antiraciste, avec Harry Abitaka qui est là, qui a préparé le cuisson. C'est cool, ça. C'est pas continuer à vaquer à vos conversations et à vos dégustations, c'est pour ça que vous êtes là. Bienvenue devant la basilique de Saint-Denis, où quelques dizaines de rois nous contemplent. Vous noterez le caractère extrêmement avenant et impressionnant du lieu, n'est-ce pas? Merci Majid Messaouden de nous avoir accueillis ici. Vous nous accueillez, mais vous ne soutenez pas, si j'ai bien compris. Voilà. Si, j'ai cru comprendre. En tout cas, il me semble que le Ftour debout ce soir, ce samedi 11 juin, à Saint-Denis, revêt plus d'un sens pour nous. Tout d'abord, il s'agit de s'inscrire dans ce mois de Ramadan, qui signifie beaucoup de choses pour beaucoup d'habitants de Saint-Denis, mais aussi de s'inscrire dans une actualité qui est alors ô combien encombrée, mais surtout lourde de sens. Tout d'abord, je rappelle que cette volonté d'être à Saint-Denis ce soir, c'est aussi de se situer, de se retrouver dans une ville qui a été meurtrie et stigmatisée au cours de l'année passée. À tel point d'ailleurs qu'elle a fini par être comparée, comme si c'était infamant d'ailleurs, à la ville de Molenbeek. Et donc ce jumelage improbable entre ces deux villes signifie que des quartiers où vivent une majorité musulmane, où vivent des populations qui sont souvent paupérisées, où l'accès au droit est souvent compliqué, où être à la périphérie devient une épreuve de toute une vie, est devenu un stigmate et un signe d'infamie. Donc c'est aussi contre cela que nous nous trouvons aujourd'hui, ce soir, à Saint-Denis. C'est pour rappeler qu'il n'y a rien d'infamant d'être de Molenbeek, et il n'y a rien d'infamant d'être de Saint-Denis. Et ce qui s'est passé pas très loin d'ici, rue du Corbillon, lors de l'assaut contre les personnes accusées de terrorisme et qui a profondément affecté non seulement les habitants alentours, mais l'ensemble de la ville, n'est pas aujourd'hui réglé, loin de là. Il y a encore toute une série de questions qui restent en suspens. Et je rappelle aussi que nous nous trouvons encore sous le régime de l'état d'urgence. Donc les personnes, les organisations qui ont souhaité aujourd'hui se réunir sont des organisations qui luttent depuis très longtemps contre tous les délits de droit et contre le racisme d'État. Que ce soit contre les violences policières, que ce soit contre le racisme ordinaire, que ce soit contre l'islamophobie, que ce soit contre la romophobie qui bat son plein pas très loin d'ici, comme partout ailleurs en France, que ce soit contre la négrophobie qui ne dit pas son nom, mais souvent aussi s'associe en quelque sorte à l'islamophobie, par bien des manières. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, doivent être exposées. Et les exposer lors d'un dîner amical comme celui-ci, ça veut dire que la rencontre est aussi une rencontre politique. Il n'y a pas d'un côté distribuer de la chorba sur un mode qui serait celui de la charité musulmane, après avoir été chrétienne. Il s'agit aussi de partager, certes, un repas qui a été amical et chaleureux, mais de partager des luttes, des idées, des ambitions, un horizon qui puisse un jour se traduire par, enfin,
l'éradication de toutes les violences ordinaires que connaît si bien cet environnement, mais aussi toutes les formes de déni politique auxquelles aujourd'hui nous avons fini par, non pas nous habituer, mais nous confronter de jour en jour. Donc c'est contre ces délits politiques, c'est contre cette façon de faire qui consiste à nier la réalité de ces populations, de la population que nous représentons ici, que ce soir nous nous retrouvons dans le Ftour debout. Donc chacun aura, j'imagine, sa manière de dire. Pour moi, en tout cas, c'est aussi une manière de rappeler que, parce que j'enseigne aussi, pas très loin d'ici, à l'université de Saint-Denis, à Paris 8, il y a des enjeux qui sont ceux de savoir ensemble, de développer notre capacité d'agir collectivement en développant notre connaissance et notre conscience du monde dans lequel nous sommes et de ce dont il est l'héritage. Il est entre autres l'héritage d'un ordre colonial qui n'est pas épuisé, d'un ordre inégalitaire qui ne fait que s'aggraver et d'un ordre raciste qui ne parvient pas à prendre conscience de lui-même. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, nous avons réussi, puisqu'il semble que c'est été comme une épreuve, hein, ça a été un tour de force, nous avons réussi à nous retrouver dans le cadre de ce Ftour debout. Et je vous souhaite donc une très bonne fin de soirée et de belles luttes à venir. Et qui sait, peut-être de belles victoires. Alors, je vais vous remercier encore une fois. Tout à l'heure, il n'y avait pas de... Là, ça va couper bientôt aussi. Donc, j'en profite pour vous remercier encore tous d'avoir répondu présent. Donc, moi, je voulais juste rappeler les dates, les prochaines dates de mobilisation pour nous, les familles victimes, parce qu'il nous semble important de parler encore des violences policières, des crimes policiers, et de ne pas se contenter d'être spectateur et d'y participer. Donc le 14 juin, j'ai appelé à une banderole commune qui partira de Paris. Il n'y a pas de lieu de fixer, donc les différents collectifs qui luttent contre les violences policières, on va se rejoindre, on sera derrière une banderole commune pour dire stop à l'impunité policière et stop aux crimes et aux violences policières. Donc voilà, et ça c'est le 14 juin pendant la grosse manif contre la loi du travail à partir de 13h. Et le 18 mai, ça va faire 9 ans que Lamine Dieng a été tué, et à ce jour il n'y a toujours aucun procès concernant son. Quoi. Il y a un mot de prononcer, donc il y a un appel qui a été fait par la famille. Et du coup, il y aura la commémoration qui partira de rue des Amandiers. Donc ça, c'est pour le 18 juin. Donc c'est un samedi. J'espère que vous serez là, nombreux et nombreuses, à venir soutenir la famille. Parce qu'on n'oublie pas 9 ans après et on ne pardonne pas. Donc il y a comme ça qu'on y arrivera. Et malheureusement, avec cet état policier, on se rend compte que les violences ne touchent plus. La Syrah tout à l'heure de Molenbeek sur Seine et autres attaques islamophobes, les élus socialistes de la ville ont demandé au maire de se désolidariser de la manifestation et donc de condamner la participation ne serait-ce que d'élus ou de personnalités à cette manifestation. Donc je pense qu'il est d'autant plus nécessaire aujourd'hui de rappeler un certain nombre de réalités sur cette ville et d'être davantage vigilant sur les dérives qu'on connaît. Le Parti Socialiste ne s'exprime jamais sur l'islamophobie qui existe dans cette ville. Quand les islamophobes ont eu des salles pour débattre en mairie, ils n'ont jamais condamné les propos qui ont pu être tenus, que ce soit par Guylain Chevrier ou par Nadia Remadna de la Brigade des Maires. Sur la romophobie, pas un mot. Sur la négrophobie, non plus. Par contre, quand ils vont voir les Roms, c'est pour les traîner en justice, comme en 2014, pour les empêcher de pouvoir voter aux élections municipales. Donc voilà, il y a un climat, effectivement, qui est un peu compliqué sur la ville. Mais moi, je suis très content que ce Ftour debout ait lieu ici. Et pour moi, c'était normal de pouvoir accueillir une telle manifestation. Mais je vous cache pas qu'il y a beaucoup de pression d'une frange réactionnaire, laïcardo-fasciste, pour l'appeler comme ça,
et qui, même s'ils ne sont pas nombreux, ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles et je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué, un peu pénible en ce moment. Et le dossier bidon du Figaro Magazine a donné du grain à moudre à ces gens-là. Voilà, donc moi je suis très heureux de vous accueillir ici. Et puis, bonne fin de soirée. Il y en aura sûrement d'autres. En tout cas, voilà, sachez que vous êtes les bienvenus. Voilà. Bonsoir, salam alaikum. On vient de Bruxelles. On habite les quartiers les plus pauvres, les plus stigmatisés de cette capitale de l'Europe. Et Molenbeek. Molenbeek, et pas Molenbeek. Donc Molenbeek fait partie de ces 5 communes du Royaume qui sont les plus pauvres. Il faut savoir qu'à Bruxelles, la Belgique, c'est 3 régions. Il y a la région flamande, la région wallonne et la région bruxelloise. La région bruxelloise, c'est la région la plus riche du Royaume. Et pourtant, c'est la région où il y a le plus de taux de pauvreté. C'est la région où il y a le plus d'emplois et c'est pourtant la région où il y a le plus de taux de chômage. Et donc, à Bruxelles, les 5 communes les plus pauvres du pays se retrouvent à Bruxelles et Molenbeek en fait partie. Molenbeek et ces 5 communes où vivent les populations, la plupart issues de l'immigration, la plupart issues de l'immigration belgo-marocaine, bien évidemment très souvent musulmane. Et la population musulmane s'affirme de plus en plus. Et elle subit la chougra, l'humiliation de la part de l'État et des médias, comme ici à Saint-Denis. Nos communes, que ce soit Saint-Denis ou Molenbeek, vivent les mêmes stigmatisations. Je ne vais pas vous les raconter, vous les connaissez très bien. Nous sommes victimes de l'islamophobie, du racisme, de la homophobie, de la négrophobie. Les réalités sont exactement les mêmes. Ces attaques, elles se sont accentuées maintenant depuis les attentats de Bruxelles. Elles se traduisent par un racisme d'État qui vise à casser toute forme de résistance dans le quartier. Alors, avec Bruxelles Panthère, on est fiers aujourd'hui de partager avec vous ce ftor, ce moment de résistance, avec des militants décoloniaux qui s'inscrivent dans une lutte antiraciste, une vraie lutte antiraciste. On est honoré de partager ce ftor de Ramadan et on est là pour dire de Bruxelles à Paris, de Bruxelles à Gaza, même combat contre le racisme d'État. Le combat continue, on est là que on commence, mais le combat continue. Ne faisons pas, ou faisons exactement ce que font les dominants, c'est-à-dire tisser des liens. Ce qui se passe à Bruxelles, ce qui se passe à Paris, c'est exactement la même chose. Les alliances politiques islamophobes sont exactement la même chose. Le PS islamophobe à Bruxelles est exactement le même PS islamophobe qu'il y a ici en France. Donc à nous, militants antiracistes, décoloniaux, de tisser ces liens et de créer un large front décolonial, antiraciste, non pas en France, non pas en Belgique, mais partout où s'attaque ce racisme d'État qu'est l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie. C'est tous ensemble qu'on s'en sortira. C'est comme ça qu'ils réussissent à nous écraser. Donc tous ensemble pour dire stop au racisme d'État. Merci et à très bientôt. Merci Marine. Youssef voulait s'approcher. On voulait évidemment profiter de ce moment pour rendre hommage à Mohamed Ali, le grand Mohamed Ali. Et c'est Youssef qui va le faire. Youssef Dupierre. Quelle tâche, petite tâche, rendre hommage à Mohamed Ali, comme ça, devant la basilique, devant tous ces rois qui, je le disais là, 120 rois qui, du haut de cette basilique, nous contemplent. Voilà. Mohamed Ali, tout a été dit sur Mohamed Ali, que dire de plus? Ce grand homme, évidemment, que la plupart des jeunes ne connaissent pas, que la plupart des moins de 120 ans ne connaissent pas. Et
ce qui est par contre très caractéristique de la période, et qu'avait déjà, on peut le dire, qu'avait envisagé Mohamed Ali, c'est l'espèce d'unanimisme autour de sa personne. L'unanimisme autour de sa personne qui a obligé tous les dirigeants, enfin un nombre de dirigeants socialistes par exemple, à lui rendre hommage. De façon d'ailleurs assez amusante, puisqu'en général on a surtout pointé le sportif en occultant la dimension politique de Mohamed Ali. C'est-à-dire qu'on ne faut quand même pas exagérer, on veut lui rendre hommage, mais quand même pas trop. Alors ça a été le cas de plusieurs ministres, Najed Vallaud-Belkacem, ça a été le cas aussi d'autres ministres, Estrosi, qui rend hommage à Mohamed Ali, vous rendez compte. Estrosi, qui rend hommage à ce grand sportif. Cambadélis, qui rend hommage aussi à Mohamed Ali, en parlant de cet homme qui a œuvré pour la paix, etc. Sauf que le PS aurait été le premier à emprisonner Mohamed Ali. N'oublions pas que lorsque Mohamed Ali a cédé boire, nous sortons de la guerre d'Algérie, où le PS a joué un très grand rôle dans la répression, il faut le savoir. Pendant la guerre d'Algérie, le Parti Socialiste n'était pas du tout du côté des indépendantistes et du côté de la libération, il était du côté des oppresseurs. Rappelons que la SFIO, le Parti Socialiste, était majoritaire parmi les colons en Algérie. Et que, pour la petite histoire, rappelons que le directeur de la DST à Alger en 58, c'est Kaïdi Rémé, était aussi le dirigeant de la SFIO. Dirigeant de la DST qui torturait déjà les nationalistes et dirigeant de la SFIO en même temps. C'est ça le Parti Socialiste. On est à la fois tortionnaire et à la fois on rend hommage. Mais bon, dans son temps, ils diraient de moi que j'étais blanc. Ils ont fait le même coup à Jésus, avait dit Mohamed Ali. Et bien voilà, c'est un peu ça. Et bientôt, on nous dépeindra Mohamed Ali comme étant un suppôt d'impérialisme et quelqu'un qui, au contraire, à l'encontre de ses convictions et à l'encontre de son action. Rappelons donc, on sait que Mohamed Ali a été membre de Nation of Islam, qu'ensuite il s'en est détaché, pas forcément pour des raisons idéologiques, plutôt à partir du moment où Nation of Islam a pris un tournant plus traditionnel. En tout cas, ce qui est remarquable dans toute l'œuvre de Mohamed Ali, et la raison pour laquelle il est connu, la raison pour laquelle nous le célébrons aujourd'hui, c'est par son courage. C'est par son courage, ce qui est un petit peu, disons, contradictoire, parce que il y a aussi une zone d'ombre, comme pour tout le monde. Comme Malcolm X, qui a amené Mohamed Ali à Nation of Islam, est assassiné. On sait très bien les implications de Nation of Islam dans l'assassinat de Mohamed Ali. De Malcolm X. Mohamed Ali ne bouge pas. Et reste à Nation of Islam. Alors que d'excellents. Enfin, il y a des contre-enquêtes qui ont été faites. Et de toute évidence, il y a eu au moins une infiltration de Nation of Islam par le FBI. Toujours est-il que Mohamed Ali, c'est vrai, n'a pas bougé. Je dis ça pour expliquer la complexité des personnages. L'histoire est drôlement faite parfois. Mais ça n'empêche pas qu'ensuite, Mohamed Ali va gagner l'estime de tous, il va être connu surtout par son extraordinaire courage en 67 face à la guerre du Vietnam. Alors qu'il était champion du monde, toute catégorie, enfin, catégorie poids lourd, le titre le plus prestigieux en boxe, il n'hésite pas à défier l'État américain, l'armée américaine, en 67, au moment où les États-Unis renonce la guerre du Vietnam, qui était déjà commencé, mais enfin il la relance par des campagnes de bombardement massif, c'est sous Johnson. Il n'hésite pas à s'opposer à la guerre du Vietnam. Il dit non, il sait qu'il va tout perdre, il sait qu'il va perdre son titre, il sait qu'il va être condamné, il sera condamné à 5 ans de prison, à 100 000 dollars d'amende, à l'interdiction de combattre. Aucun État des États-Unis n'accepte de lui donner une licence de boxe. Il faut quand même savoir, lorsqu'on arrive à ce niveau de gloire et qu'on renonce, qu'on laisse tout tomber par rapport à ses convictions, vous vous souvenez, enfin, ça a été dit, ça a été écrit, les Vietcong ne m'ont jamais rien fait, ne m'ont jamais traité de nègre, je ne vois pas pourquoi j'irais me battre contre eux. Il ajoutera plus tard, l'ennemi des Noirs
il est ici et il parle d'Amérique. L'ennemi noir, il n'est pas au Vietnam. Il est ici. Du coup, c'est sur l'engagement, surtout, que je voudrais insister. Il est facile aujourd'hui de parler d'engagement. On voit des gens un peu partout qui écrivent et qui disent voilà, j'ai telle position sur tel aspect. On le voit en ce moment de répression. En ce moment, le Parti Socialiste retrouve ses fondamentaux répressifs, colonialistes. On le voit bien. Il est facile pour des gens de dire « Oh ben, ça, c'est facile. Ça, c'est où telle personne a raison, telle personne a tort, et moi, je pense que... » Sauf que quand il s'agit de mettre... Sauf que quand il s'agit de mettre en accord ses idées et ses actes, c'est tout autre chose. Lorsque l'on fait, lorsqu'on prend une position et que l'on sait qu'on va tout perdre à ce moment-là, qu'on va se mettre à dos, parce que c'est facile aujourd'hui de dire « Gloire à Mohamed Ali !» Mais c'est autre chose d'être à sa place. À l'époque, en 67, lorsqu'effectivement, eh bien, on sait qu'on va perdre son titre, il ne va plus pouvoir combattre pendant 4 ans, et il va regagner son titre. Donc au passage, indiscutablement, c'est vraiment le plus grand. C'est vraiment, et d'ailleurs il a été même sacré, consacré par nombre de magazines comme étant le sportif du siècle. Mais vraiment, et je pense que le titre, il le mérite, hein, vraiment. Il y en a d'autres qui sont en compétition, mais on peut dire que c'est vraiment le sportif du siècle. Donc pas uniquement pour ses performances, sa capacité à encaisser les coups, parce que c'est surtout ça qui fait sa force. C'est sa capacité à beaucoup plus encaisser les coups qu'à en donner, d'une certaine façon. Eh bien, c'est la parabole du militant qui sait encaisser, mais qui continue sur sa route. Et qui continue, quoi qu'il lui en coûte. C'est pour ça que je pense qu'il illustre au mieux le combat qui est le nôtre aujourd'hui. Et tous ces gens qui donnent leur avis sur les militants d'aujourd'hui, qui disent que les militants devraient faire ci ou devraient faire ça, et ils ne sont pas forcément d'accord avec eux, et eux, et bien, ils feraient beaucoup mieux qu'eux, même, à la limite, et on le voit bien parmi toutes les critiques que l'on voit circuler. Bien, j'aimerais dire que la critique est facile, l'art est difficile. L'art de la boxe, l'art du militantisme, et on aimerait que les gens mettent leurs actes en accord avec leurs paroles, et qu'ils sachent que quand on fait quelque chose, eh bien, on va se mettre à dos beaucoup de monde, qu'on aura très peu d'amis, qu'on va perdre le peu d'amis qu'on a, mais qu'il faut continuer parce que c'est une question de dignité. C'est pas par rapport au monde, c'est pas pour la gloire, c'est pas pour un titre, c'est pas pour une médaille d'or, mais c'est pour avoir le plaisir de se regarder en face dans un miroir. Et c'est pour ça que nous nous battons. Non pas pour avoir un titre, non pas pour gonfler les muscles, non pas pour pouvoir nous congratuler en disant « qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on est merveilleux ». Quelle belle analyse on est capable de faire, mais c'est risquer beaucoup de choses et les risquer jusqu'au bout. De ce point de vue, je crois que incontestablement Mohamed Ali est un héros moderne, un héros peu connu. Alors évidemment, le sort des héros, c'est la récupération, enfin c'est la tentative de récupération. Je pense que personne n'est dupe et les tentatives médiocres et pitoyables du PS pour récupérer Mohamed Ali, pas uniquement le PS, hein, ne font pas du tout illusion. Elles ne font pas du tout illusion. S'il était vivant aujourd'hui, et s'il était en France, il le traiterait de communautariste, d'islamiste, d'homophobe, de tout ce qu'on voulait, d'antispéciste ou n'importe où. Enfin, de anti-antispéciste plutôt. Voilà, et tout ce qu'on veut. Le problème, il est là. Alors, je pense qu'on peut le dire, Mohamed Ali, que Dieu ait son âme, mais en ce qui nous concerne, elle reste dans notre mémoire comme un vibrant hommage. Et c'est pas un hasard si dans les marches des indigènes, enfin du pire, du Parti des indigènes de la République, que nous avions coutume de faire tous les 8 mai, nous avions aussi coutume de porter des portraits de nos héros. Et on trouvait dedans tout le monde, hein, aussi bien le chef Sioux, Cochise, que Ben Barka, et que beaucoup d'autres. Et il y avait également Mohamed Ali. Parmi ces portraits, il y avait également Mohamed Ali. Et ben voilà, il y a des concours de circonstances. Nous disons, Mohamed Ali demeure parmi nos héros. C'est un modèle. Et je pense qu'il faut le dire aux jeunes générations. Il faut surtout dire le courage qu'il a eu face à l'adversité et aussi son combat à la fin contre la maladie, qu'il ne faut pas oublier. Il est tout le temps resté digne. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Merci.
Bonjour à la Belgique. Je veux dire qu'on est très heureux d'accueillir nos amis belges aujourd'hui, nos frères belges, avec qui nous sommes solidaires face aux amalgames qui sont faits par les journaux français. Oui, oui, tu peux venir. C'est un abus, on rigole pas, on parle sérieusement. C'est gravissime ce qui se passe. En tout cas, j'ai un grand respect pour les Belges, qui sont nos frères de langue, mais pas que. C'est nos frères de spiritualité pour un grand nombre de personnes qui habitent à Molenbeek. Et nos frères marocains, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Marocains. Et aussi nos frères congolais, ils sont en Belgique. Non mais blague à part, on est très contents d'accueillir nos amis ici. Vous êtes les bienvenus, tous les Belges. Venez en France, on vous accueille comme ça, comme on l'a fait ce soir avec Afto. La fraternité. Et on sera très content aussi de répondre à une invitation. Inch'Allah. Il y a une délégation française qui est partie à Molenbeek il y a peu de temps, qui a rencontré la bourgmestre, c'est une femme. Françoise Kipman. Voilà, de Molenbeek. Et qui souhaite en tout cas, il y a un type qui était là qui s'appelle Kamel Djellal qui est parti là, mais que j'aurais aimé vous présenter, qui est à l'initiative avec Mehdi Boutegmès, un élu de la Courneuve, qui souhaitait créer des passerelles en fait par rapport aux problématiques similaires qu'on avait, mais les problématiques de pauvreté, les problématiques de discrimination, les problématiques d'abus policiers, etc., de crimes policiers. Donc on est aussi frères de lutte, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Merci, merci, merci. À très vite. All forward to the people.